Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 19. On avait récupéré les incroyables lames du chaos qui ont fait tout le charme de la première trilogie. Quel bonheur d'ailleurs de les récupérer. On va voir si on peut d'ores et déjà les améliorer et pour l'instant non, on ne peut. Si, lame du chaos, j'ai rien dit. Les gars, ça va m'apprendre à ouvrir ma gueule bien trop tôt. Si on récupère les flammes du chaos, on améliore nos lames. Et ça, c'est cool. J'ai hâte de voir la gueule que ça va prendre. On est parti. Direction le royaume des morts, sans plus attendre, pour aller récupérer le remède pour mon fils qui est au fin fond de sa vie, du gouffre, au fin fond de ce que tu veux. C'est incroyable, il est pas bien, clairement, il est blanc comme un cul. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Ok, excuse-moi les gars, on peut pas discuter tranquillement. Là je suis bien, je suis posé avec vous. Faut toujours qu'il y ait une tête qui vienne pourrir l'ambiance. C'est parti. Allez, il est où ce royaume des morts là? Que je lui mette ce qu'il mérite un petit peu à celui-ci. Alfheim, royaume condamné. Non, c'est pas celui-là. On n'est pas du tout condamné pour le moment. Ah! C'est Elfheim. C'est lui, hein, je crois. On n'est pas fous, les gars. C'est bien lui, hein, le royaume des morts. Voilà, c'est fait. On y va vraiment alors. Bah ouais. Donc c'est quoi? En fait, tous les morts vont là-bas? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est cette sombrerie et cette supercherie? Regardez comme c'est super bien fait. Comme si ça brisait l'espace-temps. C'est incroyable! On est ému! Hop, des racines et des ailes. Ça, c'est cool. Ok, on y est, les gars. Royaume des morts, c'est par ici. Hein. C'est par ici la sortie, comme on dit. On va leur mettre ce qu'ils méritent. Hein. Oubliez pas que ma hache est totalement impuissante dans le royaume des morts. Trouver le gardien du pont, le voyage, la maladie. Le jeu est tellement, tellement gourmand. On y va. Est-ce qu'avant d'aller dans le royaume des morts, il serait pas mal d'aller voir un petit peu si on peut pas améliorer nos lames, sachant que quand même, regardez bien, on peut y mettre des accessoires que je n'ai pas encore. Enchaîner rapide vos coups sans subir de dégâts pour charger les lames du chaos et infliger des dégâts de brûlure. Ça, j'achète. Heureusement que j'ai gardé tout cet XP, c'est incroyable. Lors d'un sprint, appuyez sur R1 pour effectuer une puissante double lacération. Maintenez R2 pour effectuer une attaque qui projette en l'air l'ennemi. On est pas mal. On a quasi tout là, des lames du chaos. On est plutôt très très bon. On va pouvoir continuer à avancer. On a beaucoup d'XP. En vrai, on a beaucoup d'XP. Ai-je vraiment besoin de tout cela pour soulever littéralement nos adversaires? Je ne pense pas, d'accord. Ok, c'est ça le royaume des morts. Quand t'es mort, t'es par ici. Ça se passe comment? Garde un œil sur toi. Putain, mais arrête de me faire flipper toi aussi là. Terrible ce gamin. On s'est vu tout à l'heure. Je profite de l'occasion pour te dire que ce que nous allons faire est pure folie. Le mutant ne peut survivre à ce droit, alors que l'âme n'a pas intérêt à fonctionner. Ah ouais. Royaume des morts, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est le pont dont Freya parlait? Non, nous sommes toujours sur le pont entre les royaumes. Celui que nous cherchons est le pont des damnés. Les morts l'empruntent pour se rendre dans leur séjour permanent, la cité de Helheim. Le gardien qui en garde l'entrée, c'est lui que tu cherches. Pousse au pont et tu tomberas nez à nez avec lui. Ok, on va... J'espérais vraiment ne jamais revoir cet endroit. On va pas s'arrêter en si bon chemin, on va évidemment tout fouiller. Oh là là, ils sont incroyables, ces gens. Incroyable, quel bonheur de les retrouver, Jésus. Ils sont tellement stylés. En plus, ils l'ont tellement bien adapté au gameplay. Encore une fois... Utilise le feu de tes lames pour brûler ces ronces qui nous barrent le chemin. Ça, je prends. Avant la caméra, il me semble qu'elle était non seulement éloignée, bon, elle l'était, ça c'est sûr, mais en plus, des fois, il y avait des caméras fixes. Et là, on a une caméra vraiment très proche des épaules de Kratos. Et pourtant, ça reste super bien foutu. Maintenez L1 et R1, ça fait quoi? Oh, ça a l'air cool. Oh, ça a l'air cool de ouf. Je prends immédiatement. Ok. Encore une bonne raison d'être allé chercher ses lames. Ouais, clairement. Putain, Kratos, t'attendais quoi, frère? Ah, petit... Oh là là, cette esquive de dieu. Bon, j'ai pas pu faire celle-ci, par contre. C'était terrible. Alors, vous êtes très nombreux à demander si Kratos est un dieu ou un demi-dieu. Eh ben, c'est un demi-dieu. Voilà. Parce que ça... Aïe!
Il me semble que sa mère était humaine. Et son père, bon, je vais pas spoiler, mais son père a été bel et bien un dieu, hein, ça c'est garanti. Et pas n'importe lequel. Allez vous renseigner si vraiment vous voulez savoir qui est son daron. Après, c'est pas un spoil, hein, le jeu a plus de 10 ans, ça fait 10 ans qu'on le sait, dans God of War 3. Mais quand même, on sait jamais. On va éviter de spoiler entièrement gratuitement si quelqu'un est en train de refaire la trilogie. C'est le minimum. Aïe. Oh mec, trop bien fait. Bien joué à toi, hop, un petit coup dans l'arcade, on n'en parle plus, c'est terminé. Oh c'est beau ça. Oh c'est tellement beau ça, ce multiple chaos. Ce n'est pas normal. Seuls les morts récents devraient être ici. Il y en a beaucoup trop. La porte doit être fermée. Et si la porte est fermée, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle est pleine. Sans la Valkyrie pour faire le tri, la cité déborde. Ah. Ça veut dire qu'il y a une couille dans le potage, si je peux me permettre l'expression. Ça c'est les morts. Putain la gueule du mort, hein. Ouais, ça vaut pas le coup de mourir en ce moment, hein. C'est pas très rentable. Ouais, mais en fait, tout est fermé, carrément. On va ouvrir tout fermé. Ça. Et maintenant. Ok, aucun souci, pas tout fermé, les gars. Jusqu'ici, j'ai toujours su ouvrir des portes, mais apparemment, plus maintenant. Ah, il passe à travers. Oh, bah ouais, mais c'est du cheat. Ok, on va passer par ici. Ils ont un wallack, les mecs. Ça, on va se casser. Aucun problème. Oh, sombre situation que nous avons là. Kratos, tu ne veux pas monter? Non, tu veux monter que par ici. Très bien, je peux comprendre. T'as tes choix. Ça risque d'être terrible, hein, ici, hein. Je sais pas si on va y rester longtemps. Le premier royaume qu'on avait fait, on était resté pas mal de temps. Ok, il y a un mec qui passe, il m'a pas vu. Ça. Ah! Voilà, ça c'était mes cours en soirée. Alors lui c'est mal. Non, pas du tout. On fait Manu par précaution. Hop, ça c'est une petite skill, c'est Bibi qui régale. Ça c'est beau, oh là là, et on switch sur les armes. Cet homme est un dieu. Oh putain, lui il est vraiment très très chiant. Derrière. Oh non, c'est méchant. C'est triste ce qui m'arrive. Putain, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ok. Et j'ai pas mon fils pour envoyer des putains de flèches. Bien joué. Putain, c'est pas vrai, hein. Allez, ça dégage, ils sont chiants. Eux, ils vont être très très chiants, je vous le dis. Ils m'ont déjà saoulé, je sais pas pour vous. Hop, on va prendre ça. Et si on a des racines, hein. Ok, un petit coffre. Allez, les gars, je prends. Eh, c'est pas de recul, les temps sont difficiles. Ok, va falloir aller là-haut. On y va, on peut passer par là. Pas trop de soucis. Pillards que nous avons tués près de ma maison, ils sont venus ici. Comment ont-ils pu revenir aussi vite? Le temps ne s'écoule pas de la même façon d'un royaume à l'autre, surtout pour les esprits. Comme la lumière d'Alfheim. C'est le contraire. Le temps passe plus vite sur le lac des âmes qu'à Alfheim. Mais il passe beaucoup plus lentement à Helheim qu'à Midgard. Ça ne doit pas être évident à saisir. Si ça nous permet de retrouver mon fils plus rapidement, ça me va. Ah, tu comprends vite à ce que je vois. Je peux m'énerver rapidement. Oh, il est beau celui-là. Qu'est-ce qu'il nous cache? On a un coffre. Oh, bien joué, je l'avais pas vu. On va réussir à le faire tomber, si tout va bien. Aïe! Mais arrêtez! Ok, c'est bon. J'ai eu chaud. Qu'est-ce qu'on a là? Strictement rien. C'était pour essayer, d'accord? Me jugez pas, ok? C'est quoi?
cool ça, c'est trop stylé. On dirait que c'est attiré. On va ramasser immédiatement ce coffre. On a là-bas. Ah, j'ai une jauge de rage. Je pense que je vais pas tarder à lui sauver. Je les connais. Oh, on a encore quelque chose. Je vous avoue que je m'y attendais pas. C'était une très belle surprise qu'on a eu là. 2500 comme ça, même le sol. Certec en vrai. On va laisser cette pierre. Ça sert à rien. Je suis déjà au max. Ne soyons pas trop fous. Voilà. Ça va partir en couille. Ça me plaît ça. Je suis mort. Aïe. Oh, le coup de tête. Oh, on apprécie. Comme ça, les gars. Comme disait Oncle Ben, ça c'est que en 3 minutes. Ah, ça c'est bien joué, ça part. J'ai rien pu faire. Bien joué. Bien joué, vous êtes au-dessus. Je pense que je mérite, c'est normal. Aïe! Arrêtez-eux! Je prends ma dose, hein. Je prends ma putain de part. Ah, mais je gèle là, non? Ça, c'est bizarre. J'étais en train de geler, je me disais, je suis très lent. Qu'elle fait partie d'Alheim. Ah, non. Le Valhalla fait partie d'Asgard. Il faut être mort dignement pour y aller, comme les guerriers qui tombent au combat. Elheim accueille ceux qui meurent dans le déshonneur. Le criminel. Oui, et ceux qui meurent de maladie, d'accident, de vieillesse. C'est donc un déshonneur de vieillir. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour mourir au combat, je suppose. Ah ouais, d'accord. Alors si tu meurs pas au combat, tu es et que tu meurs de vieillesse ou de déshonneur, tu finis avec avec les pires mecs. Ah ouais. Prévenez au moins, les gars. En tuant le gardien du pont, est-ce que je débarrasserai Midgard des morts? Je ne pense pas, non. Mais ça ne devrait pas aggraver les choses non plus. Ce sera un obstacle de moi à franchir pour les vivants qui souhaiteraient rejoindre le cercle intérieur d'Elheim. Mais qui serait assez fou pour s'y rendre? D'accord, ok. C'est très sympa. On en apprend vraiment sur, historiquement parlant, sur la mythologie nordique. Je sais pas si tout cela est dans la mythologie, mais en tout cas, vraiment stylé, hein, propre. Très bien. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? J'ai été attiré parce qu'on pouvait monter là, mais en fait, y'a rien. Ça me paraît même trop beau qu'il y a rien en fait, non? Vous êtes pas d'accord? Ah, bah voilà! Ah, vraiment, les gars? Vraiment? Ok, on est reparti. Ça sert à rien de repasser là-haut, j'ai pas utilisé ma jauge de rage. C'est pas grave. Moi, bon, c'était pour les yeux d'Odin. Petit oiseau qui traînait par ici, on prend, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, on y va! On continue notre petit chemin. Je sais pas du tout si ce royaume est gigantesque. Le premier qu'on avait fait, le seul d'ailleurs, autre que celui-là, le royaume des morts, était quand même assez incroyable. Il était très très grand en plus. Il y avait beaucoup de choses à faire. On s'est pas trop éloigné, mais je suis quasi sûr qu'il y avait des quêtes annexes à faire dedans. Ah, il y a encore les morts. Ah oui, on les suit juste pour passer la porte, ok. Ça me coûtait cher encore. Allez. Okay. Je sais pas, Kratos il a eu un petit moment de non-plaisance, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. Allez, vas-y, régale-moi. Le pont est damné, et voilà le gardien. Il s'assure que les morts sont bien morts. Que tient-il? Ce totem contient une puissante source d'énergie magique, le pouvoir même des Lime. Mais toi, c'est son cœur que tu veux. Prends-le et nous pourrons partir. Ah! Comment? Attire son attention, ça ne devrait pas être trop dur. Ah! Ouais, c'est un golem, ça va. Ok. Ouais, non, ça va pas. Ouais, ça va pas. On retire ce qu'on a dit. Wow! Ça c'est bien joué de sa part. Ça a été le meilleur, j'ai rien pu faire. Ok. C'est très chiant ce que tu fais. Ok. Aïe.
J'ai pris une claque! C'est quoi ces conneries? Oh non! Ah, ça va pas du tout! J'ai pris une claque à chaque fois, quoi! Ah, c'est ça qui met des claques! Oh non, mais la vie est parfois tellement cruelle et injuste. Mais c'est nouveau, ça vient de sortir. T'as des petits pouvoirs maintenant, tu te fais plaisir. Ok. Non. Non. Côté droit, frère. Dernière fois, frère. Je veux que toi. Aïe! Aïe! Oh la vache! Arrête! La triche! Ça c'est très beau ça, de la part du joueur franco-hongrois, n'est-ce pas? Mi-homme, mi-molette, mi-dieu, mi-vivant, mi-mort, mi-con. Oh, ça c'est de la triche. Il s'appelle Elson! Putain, c'est pas Elson qui va me casser les couilles! Hop, une claque dans la gencive. Derrière toi, attention! Ouf, ça fait bien votre tapas. Ok, donc lui il a changé trois fois de pattern. C'est très impressionnant. Attention, derrière toi. Oh là là, c'est. Ok. On va pouvoir utiliser le mode rage. Allez, ça dégage. Oh, bien joué lui. Allez, ça dégage. Le gardien du pont de mes couilles des morts. Il va rester ici parce qu'il va mourir. Et on n'en parle plus. Allez, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Et pour être sûr qu'il meurt bien, on lui éclate sa stèle, on lui éclate la gueule. Prends son cœur maintenant. Tu vas devoir te salir les mains. Oh. C'est un peu l'histoire de ma vie. Oh, vous avez vu le gros truc là-haut? Allez, on y va à deux maintenant. C'est de la chirurgie locale, hein. Je connais bien les gars, pas besoin d'amnésie. On écarte tout ça. Ok, y'a quoi de beau là-dedans? On a le repas du midi et du soir. J'ai le cœur. C'est tout ce qu'il fallait. Oui, parfait. Mieux vaut ne pas traîner ici de toute façon, hein? Kratos. Zeus. Zeus? Mon père. Zeus est ton père? Ah bah voilà.
Bah, le spoil a été fait. Des choses. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? N'y va jamais. C'est compris ? Que fait-il ici ? C'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Elle est réputée pour torturer ses habitants avec leur propre passé. Trouvons plutôt un moyen de rejoindre ton fils. Ah, bon bah les gars, on en parlait tout à l'heure. Voilà, vous savez qui est donc le père de Kratos. C'est tout simplement Zeus. Incroyable, hein. Incroyable. Et il me semble que Kratos est un demi-dieu. Putain, j'aimerais tellement qu'on puisse y aller un jour affronter ce truc géant là. Je suis sûr il y aura une quête annexe, un truc chelou, tu vois. Ça peut être juste dingue. Allez, on va ramasser ce qu'il nous a donné. J'espère il m'a régalé. Oh, une orbe. Ça, c'est une rune. Ça, c'est une rune. Flamme du chaos. C'est bon, les gars. Hop, on peut améliorer nos lames du chaos. C'est incroyable. Lui, il est mort, le gardien. On va peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça? Psst. Ah. Chut. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi ? J'ai dit que je t'aiderais et je vais tenir parole. Allez ! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Il ne vient pas de te les voler, tu es sûr ? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents de Hel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance. Allez, vents de Hel. Les vents de Hel sont extrêmement instables. Vous ne pouvez pas les retenir. Vous ne pouvez les retenir, pardon, que 10 secondes avant qu'ils retournent dans le dernier piège avant. Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est cette petite boule suspendue au milieu de la porte. Tu la vois ? Vas-y, lance-les. Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents de Hel quand ça te chante. Bon, je mets les voiles. Ne me remercie pas. D'accord. Il m'arrive parfois de me demander ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Ah putain, faudrait revenir avec mon fils, ça serait cool. Ok, très bien. Ma... Ouais. Y a compris, mais... Ma que... Ah... Ça se transfère, très bien. Ah oui, non mais là c'est compliqué, c'est-à-dire que tu peux le perdre. Oh non. Ah bah oui. C'était compliqué avec l'âche, mais là ça l'est moins. Aïe. Oh non, lui c'était gratuit. Il était parmi les morts. Ok. C'est bon les gars, on est bien. Je sais que là où il y avait quelque chose, je l'avais vu. Ça, clairement, on prend maintenant. On est là. Ça c'est terminé, on prend. Et là on avait... Ah mais faut que je vienne avec mon fils. Ça me paraît bien compliqué ce petit truc. Ok, on ne peut pas. On est parti. Attendez, c'est de la vie ou je suis fou? Ouais, j'ai pris au cas où, voilà. Je pensais que c'était un artefact, pour être honnête avec vous. On va faire le transfert. Ça, c'est pas mal. Là, va y avoir des méchants. Aïe! C'est pas vrai! Aïe! Ok, on va faire gaffe. Eh les gars, vous êtes tellement lourds en soirée, c'est terrible. Ouais, j'ai mis un vent ici, mais il y en a un autre ici. Peut-être qu'il peut m'ouvrir quelque chose de cool, non? Oh, ça c'est salaud ça. Oh, bien joué de leur part. Ça fait que si je retire, ça se referme immédiatement. Donc je ne peux point transférer ce vent. C'est ce qui s'appelle donc se prendre un vent, excellent! Ok, on se casse. Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus était ton père! Pas maintenant! On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information. Ok. Ah oui! On va pas passer à côté, ça serait fort dommage. Ça c'est le passage des morts, franchement, bien lourd le pont en tout cas. On appréciera.
Oh, j'ai eu tellement peur. Je vous avoue que j'ai eu un petit moment de doute. Là. Ok, j'ai un vent activé. Aucune idée de ce que ça fait. Ok, il y en a un autre encore. On va faire vite. Je sais pas du tout ce que ça peut faire. 5, 4, 3, 2, 1. Vache ! Bon. Oh, c'est pas vrai, laisse-moi tranquille. Mais foutez-moi la paix. Oh non, mais c'est incroyable. Arrête, wesh. Ok. Oh, c'est pas vrai, hein. Je prends ma dose, hein. Les gars, je vous le dis, je prends ma part. C'est normal, je mérite. Oh, oh, ça c'est stylé. Ça dégage. Oh putain, on a encore un vent ici. Ah ouais, non, 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 c'est chiant déjà. Va falloir que je me trimballe un putain de vent. Attendez. Ça je l'ai vu. On quitte son royaume de mort. Littéralement. Hop, on prend cette petite life. Je suppose qu'il va falloir encore l'emmener là-bas. Et oui, mais là c'est très très chiant. Ou je sais pas encore, on va voir ça très très vite. Oh non, je me suis pris un vent. Littéralement. Oh, coup dur. Ça c'est stylé ce combo. On oublie très souvent ce combo, mais c'est vrai qu'il a fait mal à bon nombre de Français, hein. Celui-là il est aussi insane au niveau de mail. Allez, c'est terminé, ça ferme sa gueule rapidement. Bon, j'avais un vent à amener. Oh. Ici on a quelque chose. Ici on a notre vent. Je suis quasi sûr qu'il y a un troisième vent. On va passer par là. Il y a un troisième vent. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Ah, putain. D'accord. Ok. Très bien. Il va falloir que je trouve donc le suivant. Où peut-il être? Il est là. Ah, c'est pas vrai. Ok, il est là. J'aurai le temps? Yes, on est large. Je sais même pas pourquoi ça. C'est terrible quand même, hein. Là, le suivant. Oh là, quoi? Ok, on va s'en occuper. Allez, ça dégage. Lui, c'est fini. Hein. Oh non, salaud! Tellement injuste! La vie est si cruelle! Ok. Alors, j'avais pas vu, mais il y avait un accès ici. Et là, on va pouvoir rentrer. Mais alors, j'ai amené le vent jusqu'ici. Ah, je sais pas du tout ce que ça va faire. Hein. Là, franchement... Oh, des bijoux de famille. Toujours rêvé d'avoir des bijoux de famille. Je sais pas du tout ce que ça va faire, mais les gars, on va le faire. Peut-être ouvrir un nouveau passage.
Allez, on bombarde, vas-y mon cracra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est la merde. D'accord. D'accord. Hors de question que je passe tant que j'ai pas vu ce que ça fait. Là on a quoi par exemple? Ah, c'est pour ouvrir cette porte. Ah, c'est la merde. Ok les gars, on va rester concentré, on va rester focus, faut que j'y arrive, d'accord? Je suis vraiment un teubé. Allez, on est parti! Ouais, j'ai été très con. Mais le suspense était bon et jouable. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai été con, putain. Ouais, mais je me rajoute des challenges. C'est vrai que c'est un petit peu... Oh, c'est dans les gènes, hein, y a quelque chose. On va ouvrir la porte, hein. Je sais pas du tout ça amène à quoi, mais... On bombarde. On est large. Bon, les gars, cet épisode fut incroyable dans le royaume des morts. On a clairement fait le boulot. Oh là 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 là, comment bien finir un épisode? Bah c'est comme ça les amis, c'est comme ça, donne-moi cette rune légendaire! Pas du tout légendaire, cyclone du chaos, régale-moi, qu'est-ce que ça fait? Augmente la durée de l'attaque et les dégâts qu'elle inflige. Oh mais oui, mais elle est connue celui-là, le cyclone du chaos! Ah ouais, mais je préfère elle, hein, vraiment. Hein. Elle est insane, mais elle est vraiment pas mal. Elle fait moins de dégâts forcément, mais attention comment ça touche tout le monde aussi. Et si je la mets... On va l'essayer, ça peut être très sale. Quoi? Oh là 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 là. C'est une boucherie charcuterie. On n'en parle plus, ça dégage. Hein. Bon, on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Il est vrai qu'il était totalement incroyable. A très bientôt tout le monde, on va s'arrêter dans l'atelier. On va pouvoir améliorer les lames du chaos. Dès le prochain épisode, à très vite, ciao.